Bonjour et bienvenue sur Jedi Star Wars Jedi The Fallen Order. Eh bien, dis-le-lui, il peut te comprendre. Ah bon? Écoute, tu sais, j'ai dit ça comme ça. Les droïdes me font flipper. Tout te fait peur. On dirait un impérial. Il désactive les droïdes sans aucun scrupule. C'est pourquoi BD est l'un des nôtres. Hein? Oh, coup dur. Oublie ce que j'ai dit. Je savais pas, mon pote. Eh bien, aujourd'hui, on va se faire un petit côté Bogano. Bogano. Histoire de récupérer les différents points puis, qui étaient auparavant inaccessibles. Et grâce au nouveau saut, de nouveau accessible. Normalement, cette zone, on devrait pouvoir enfin la finir. Comme j'ai pu finir Kashyyyk. Qui est... Kashyyyk, que vous avez pu voir sur les images, que je vais mettre dans un coin, je pense, à droite ou à gauche. Il me restait 2-3 coffres à récupérer. Il me reste un coffre à récupérer et clairement, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Hey, petit gars. Il veut me parler. Hé, hey, y en a combien des créatures qui mangent les petits latéros comme moi dans le coin? Je sais pas, Gris. Non, bien sûr. Ça va, toi? Je préfère m'assurer que tout va bien régulièrement parce que si jamais tu pars, disons que il y a de fortes chances que j'y reste aussi. Ça va, Grise. Ok, parfait. Vaut mieux être prudent. J'ai entendu des trucs terribles sur les Jedi. Oh, vraiment? Je comprends peut-être pas tout au sujet de la Force, mais quand tu passes ton temps à écumer les cantinas comme moi, t'en entends de belles. C'est peut-être un peu exagéré, mais après ce qu'on a vécu ensemble, j'espère seulement que tout ira bien. Merci. Ouais, bah tout va bien, écoute. Tu crains plus la faune locale ou la nuée d'action? Je sais même pas si j'ai encore peur, petit gars. Je crois que j'ai franchi un cap. Tu penses partir? Je sais pas exactement où j'en suis, mais je sais que j'ai un boulot à terminer. La nuée a fichu un coup à mes états de service exemplaires. Presque exemplaires. Donc non, je partirai pas tout de suite. Ah bah ça fait plaisir. Tu voulais reparler? Salut Grise. Tu es toujours en froid avec Serré? Je dois me concentrer sur la mission. Eh, je comprends. Mais elle fait vraiment du mieux qu'elle peut. Pourquoi elle ne m'a pas parlé de Trilla? On est censé être une équipe. C'est pas une question de confiance. Il y a des moments de nos vies qu'on préfère garder pour soi. C'est bien normal. C'est clair, quel sale gosse. Moi aussi, crois-le ou non. Une fois, je me suis caché sous une peau de nerf pour échapper à un hut. C'est vrai? Cal, sois attentif. J'ai dit que j'étais pas encore prêt à en parler. Et maintenant? Sur chaque planète, on s'expose à de nouveaux risques. Putain, il est du bagou, lui. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, on va parler à Serré. Tu auras un instant? Bien sûr. La première fois qu'on t'a amené, quand il s'est avéré que tu étais celui que nous cherchions, j'aurais dû te dire toute la vérité. Vous avez fait un choix, je comprends. Ça ne change rien à ce qu'on doit faire. Peut-être pas ce qu'on doit faire, mais comment me quand même. J'ai fait le mauvais choix et je t'ai mis en danger. Je n'ai pas été un bon guide. Je ne vous demande pas de me guider. Avant ton arrivée, tout je ça reposait sur mes épaules. Je certes, Gris maître. Était là. Mais il ne saisissait pas l'importance de ce qu'on tentait d'accomplir. Call me your master. Je ne peux pas te demander d'y arriver sans aide. Vous m'avez dit ce que je devais savoir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à terminer ce qu'on a commencé. Je comprends. Je suis là pour t'aider si tu as besoin de moi. Merci. Ça ira. C'est dur de trouver quelque chose qu'on cache à l'Empire. Oui, c'est vrai. Mais nous t'avons trouvé, pourtant. Ouais, à deux doigts de la mort. J'ai dérapé, je me suis exposé. J'ai mené l'Inquisition à moi. Grise et moi étions comme toi autrefois. On s'en voulait, à chaque fois qu'une piste prometteuse nous menait d'impasse en impasse. Et à chaque fois qu'on frôlait la catastrophe. On fait tous des erreurs. Il faut en tirer des leçons et avancer. Ouais. Je suppose, oui. Allez, on va y aller. Pas maintenant, Cal. Très bonne idée. Alors, au niveau de la map, il me semble qu'on a fait pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, encore plein de trucs à faire. Je crois que cette map va être long à explorer, donc on va partir tout de suite. Clairement, ici, il n'y a plus rien à faire.
cela. Ah, je me rappelle quand j'étais un jeune padawan. Alors ici, déjà ici, il y a un truc à explorer. Hop. Oh bah non, elle dit pas que je peux pas passer. Ah. Alors dis-moi, qui je dois tuer ? C'est bon, ça c'est fini. Fini aussi. On va se gaver des coups. Un bogling. Il doit y avoir un nid dans les parages. Un nid de bogling. Alors, je suis monté là, j'ai fait ci, ça. Il n'y a rien à faire ici, ok. Alors, soit je saute, soit je grimpe. On va essayer d'abord en premier temps de grimper, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, pas grand chose. Hop, de là, hop, de là. Pas mal en soi. Hein. Un vrai Jedi. Et on a notre coffre ici. Tu veux voir ce qu'il y a dedans ? Oh, t'as trouvé quelque chose. Pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, est-ce que ça valait le coup de ressauter par là? En tout cas, pour le moment, il faut revenir. Hop là, par là. Mais ici, c'est trop court pour sauter. C'est pourtant là que je joue. Non, c'est pas là. Ah bah c'était le petit bond, d'accord, que j'ai fait. Qui me permettait d'aller jusque là. Comment on fait pour revenir là-bas? Non, je peux pas sauter là, c'est trop large. Je pense qu'il faut repasser par là. Hé hé hé, fais-moi pas des frayeurs comme ça. On remonte là-bas. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, passe par là. C'était tendu. On va descendre en bas. Hop là. Hop là. Hop là. Regarde, il est plus résistant qu'avant. Ça me donne accès à quoi? À rien du tout en fait. Complètement inutile. Okay. À part détruire la faune, ça ne m'a servi clairement à rien. Non, il n'y a rien à récupérer. Ici, comment je fais pour remonter par contre? Ah.
en soi pas mal. Il y a bien un saut là-bas. Hein. On l'avait pas vu. Par contre, là-bas, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression de me faire un petit peu spoiler. Parce que pour... Enfin, spoiler, pour moi, il y avait bien plus de trucs à faire, mais je ne sais pas. C'est quoi cette créature? Il y avait un coffre ici. Tu veux voir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Billy? Toujours dans le même délire. Faudrait que j'arrive à revenir sur la plateforme qu'il y avait là. On peut. Ensuite. Il y avait un seau par là. Non, c'est pas là. Ici. Une plante. On devrait l'ajouter à notre terrarium. Bah, je suis bien d'accord. Ah. Une statue, avec vue sur le sanctuaire. J'ai l'impression que ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Ouais. Et ah, le nid était là. Bon, là, y'a plus rien à répondre. Ah, tu as repéré quelque chose? Ah non, pardon. Ok. Est-ce qu'on la clean cette zone? Plus ou moins. Maintenant, on va essayer de choper ce truc-là. Quelle maîtrise! Est-ce qu'on peut dire que je suis devenu un vrai Jedi? T'as vu ça, hein, je t'impressionne. Hein. Oh! Tout le même Jedi qu'avant. Alors ça, est-ce que ça je peux... Voilà, je m'en doutais. Oh, encore lui. Alors viens, 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 viens mon gros. Bah oui, tiens. Par ici, BD. C'est pas le droit de faire ça. Mais vous êtes combien? À l'aide, BD. Yeah.
Un Steam BD. Ah putain. Putain, là, il va me faire mal. BD, Steam. Allez, c'est la fin. J'ai bouffé tous les sims. C'est bon. Il y a intérêt que ce coffre, il est, bah, il est ouf, quoi. Hein, parce que sinon, je vais être bien déçu, sinon. Attends, faut que je monte là. Attends, avant de monter là. Y a rien d'autre à choper ici. Ah, un coffre, un coffre, un coffre. Allez, pirate-moi ça. Beau travail. Allez, va jeter un œil. Voyons ce que t'as trouvé. Nouveau matériau pour sabre laser. Acier lamina. Bah, j'ai l'impression que c'est... Bah, j'espère que c'est le plus beau de tous les skins. Bon, et même pas un petit écho. Rien du tout. Rien, rien, rien du tout. D'accord. Tu peux m'aider, BD? Ouais, tu peux peut-être me coller un petit travail, quand même. Je pense que je l'ai mérité. On saute pas là, hein. Ça serait absurde et ridicule. Non, il n'y a rien d'autre ici. Hein. Va falloir que je fasse de la varap. Même pas un petit écho. Ah, BD, quand même, tu peux garder ça. Ça a l'air si facile. Bon, je comprends pas trop l'intérêt si vous piratez. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le pancho le plus beau de tous. Tu te fous de ma gueule? Vous me coller un pancho aussi dégueulasse? C'est... You. Oh, le skin de merde. Allez, vas-y, il faut... T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Allez, on va essayer de se retrouver. Franchement, en fait, le premier poncho était peut-être l'un des mieux. Avec le bleu. C'est pour ça qu'on va remettre celui-là, parce que c'est dans les derniers qu'on a obtenus. On va se remettre là. Voilà. Franchement, là-dessus, c'est du foutage de gueule. Je sais même pas pourquoi je continue à faire les... Ah! Qui scanne? C'est un capteur météo. Attends, je crois avoir compris le délire. Chaud, toi! Vas-y, vas-y. Je vais mourir comme un grand con. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est le truc, mais laisse tomber le plus... Ah, tout le jeu. T'as pas le droit de faire ça. Ah putain. Ça va être... Super coton. Mais il y a une caisse derrière. YOLO pour la caisse. T'es prêt? Ah putain, mais c'est un truc de malade. Mais il manque pas grand chose à chaque fois. Allez, j'ai un Steam en réserve. BD, t'as un truc pour m'aider? Après, il y a la corde, mais la corde, En fait, faudrait presque... Et est-ce que je peux faire ça? Et si je suis là, est-ce que ça marche?
pas du tout. Ouh. Non, non, faut monter là-haut. Faut monter là-haut. Ou alors, attends, on va quand même se faire une petite expérience vite fait pour voir ce que ça donne. Facile. Voilà. Soit le meilleur coffre de tous. Hein. Qu'est-ce que c'est, Médé? Peinture pour le Mantis. Mais va te faire foutre! Mon ami, j'ai mis au jour un curieux artefact. Ah, mais va te faire foutre! Oh, mais c'est pas possible, quoi. C'est de souvenir. Voilà, il y a un point de sauvegarde ici. Tout a respawn. Oh là là là, je suis deg. Bon, fais-moi voir cette map. Bon, en gros, il reste plus qu'un point à regarder. On va quand même regarder si on n'a pas où zapper les trucs. Ça c'est bon, on a le secret, 75% là aussi, on a le secret. Là, on a le coffre aussi. Ça, on a les deux coffres. Deux coffres, les deux secrets. Ouais. Ah, quatre coffres. Toute cette zone là, là. Un coffre. Ah là, il manque des trucs là. Deux secrets. C'est ici où il manque des trucs. Quatre coffres. Bah, je vois pas trop où en fait. Parce que c'est bien que sur cette plateforme là. Là, c'en est une autre. Ah, il me manque un coffre d'ailleurs. Bah écoute, on va déjà passer par là, on va voir ce que ça va donner. Mais on en fait là. Bah là, je suis déjà dans une autre zone là. Ça en fait partie. Non, mais non, y'a rien à grimper.
grimper là-dessus. Est-ce qu'il faut tout péter? J'ai tout pété. Allez. Ouais, c'est clairement rien du tout. La personnalisation du sabre. Est-ce qu'il y avait un truc à récupérer? Non, rien du tout. On personnalisera plus tard. Et oh là, on va pas passer que ça, on va pas pimper ton sabre toutes les deux secondes. On met où? Bon, ici, il y a clairement rien. On va continuer à descendre, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, bah oui, forcément. J'ai oublié quelque chose là. On peut aller sous l'eau maintenant. Et voilà, un coffre. Alors qu'est-ce que tu viens me donner? Oui, voyons voir ça. Un interrupteur. Ouais, enfin on est loin des 4 coffres quand même hein. Ah il est là l'autre. Voyons ce que t'as trouvé. Normalement on a les 4. M. Donc là on est d'accord, on a trouvé les 4. Ici normalement il y a un 5e coffre quelque part, mais alors on va le savoir où. Dans toute cette zone là. De ce que je vois. Celle-là. Ouais, toute cette zone là en fait. Ok, bah on va voir ce que ça donne. On va essayer de voir ce que ça donne. Celle-là en fait partie. Pas de coffre ici dans la zone, non. Et en bas là, que dalle, pas d'eau, rien du tout. Cette zone-là, on vient de la voir. Et maintenant, à nous de voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est mort. Comment est-ce que tu vas réussir à choper cette corne? Voilà. Ça c'était sûr, ça doit être par là. Je sais pas trop où mais... Pas de coffre à l'horizon, non, non. Là-bas, c'est plutôt compliqué pour obtenir quoi que ce soit. Là aussi. Pas de petite créature. Ah voilà. Voilà. Bon, c'est radical. Maîtrise. Y'a rien à faire ici, non. Bah là je vois pas alors. Je ne vois pas du tout où il peut y avoir
Ça en fait partie là-bas, là. Ça en fait partie. Et on voit clairement des passerelles ou quelque chose comme ça là-bas. Putain le con. Vas-y, tombe. Ça fera du recul. D'accord, que dalle. C'est pas du tout là. Bon, bah écoute, à ce moment-là, j'essaie de voir où est-ce que ça pourrait être. Bah écoute, que dalle. On va continuer. On va voir ce que ça va donner. Là-bas, il n'y a clairement rien. Ici, il n'y a clairement rien aussi. D'accord. T'es aveugle. T'as pas qu'un œil. C'est complètement aveugle. Ah oui, saute dessus. J'ai besoin d'un skim, BD. Ah oui, tiens. J'avais raté autant de trucs et mourir par un techno comme ça. Voilà. Voilà quand même. Un steam BD. Raté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans là? Ça m'intrigue quand même cette histoire là de poutre. Parce qu'on est d'accord que c'est dans toute cette zone là. C'est ça, c'est cette zone là où j'ai oublié un coffre. Alors je sais pas où. Au moins on a clean la zone. En bas, c'est clairement pas en bas. Par contre, c'est peut-être en bas là. Je sais pas si c'est juste du texturing ou. Ouais, ça vaut le coup d'essayer en tout cas. C'est du texturing. C'est juste du texturing, c'est pas du tout là.
essayer de grimper là-haut. Bah, je suis con, j'y suis. J'y étais. C'était pourtant bien ça, l'ascenseur. Où est-ce que ça peut être, hein? Ah! Est-ce que ce serait pas là? C'est bon? Y'a pas d'autre? Bon, moi je l'ai vidé, hein. Donc ici, bah non, il n'y a rien du tout. Ah! Oui, mais non, ça c'est le truc en dessous. C'est bon, il est mort maintenant. Là, non, je vois vraiment pas. Et ça, c'est la zone de tout à l'heure. Bon, pas du tout. Quelle est cette zone? Quelle est cette zone? Montre-moi ça de plus près. Pas un truc là? Bah je vois pas, je comprends pas ce coffre là, tu vois, mais il y a vraiment des coffres, ils sont vachement bien planqués. Autant il y a des coffres, c'est de la blague. Je comprends pas l'utilité même de leur délire. Salut, c'est moi. Voilà. Voilà. Hop là. Ah, il y avait un coffre ici que j'avais jamais. Oh la blague, c'était lui. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Courant d'homme. Ouais, bah écoute, là pour le coup, je pense qu'on l'a quasiment fini. Hein. C'est pas le bon. Si, c'est le bon. Attends, c'est une blague, parce qu'en fait tout à l'heure c'était sur toute cette surface là qu'il me semblait qu'il y avait un coffre. D'accord. Celle-ci c'est explorée. Un coffre. Et un coffre ici. Je ne sais pas où c'est ici. Ça n'a pas été exploré ici. Comment on fait pour aller ici? En remontant. Attends, mais c'est l'entrée. C'est le début. S'il y avait un coffre, je l'aurais vu quand même. Non ? Ah, c'est bon, c'est fait. Est-ce qu'on en profite pas d'abord pour faire l'autre truc là ? Où est-ce que il reste plus que un coffre et un secret ? Là, il y a un coffre ici. On va essayer d'y aller. On va voir ce que ça va donner. Ici, il y aurait un coffre. Expliquez où. C'est bien ici, hein. Et pas en dessous. Ah si. Ça peut être en dessous. Bah attends, là, il m'indique un demi. Ça, c'est un secret, ouais.
dans cette zone-là. Faudra que j'arrête d'utiliser toutes mes forces là parce que. J'ai besoin d'un coup de main. Coffre ici. Alors on va savoir où. Il est bien planqué, hein. Non, on va pas sauter. Tu te fous de ma gueule. Ah. C'est en bas, ça. Ici, c'est le bogey. Bah allons voir en bas. Oh putain, il y a lui là. Il est tout seul. Enfin, tout seul. On passe à l'action. C'est pas mal. Oh, espèce de... Reviens là. C'est une demi-portion. Oui, bah. Oui, un petit peu quand même. Hein. Tu vas me péter. Ah, tu es le seul avec tous. Là, un paquet de morts. T'as un truc pour m'aider? Donc ici, mais ici y a rien à récupérer, je vois pas pourquoi je parle. Chier, allez, ici là. Ça c'est la personnalisation du sabre, ok. Pour le moment. Ah, ok. Ça c'est pour remonter. Ici, rien à faire. Non, rien à faire. Ben, je vois pas où est-ce que je pourrais avoir un autre truc là. Et si on passe par là, on va essayer de faire le chemin long. Non, y a rien ici. Ah! Putain. Tu crois que tu peux m'aider, BD? Au travail, BD. Foiré. Hey, BD, regarde ça. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Bon, bah, il me reste plus qu'un truc à choper. Oh, ce Jedi de pacotille. Allez, ouf. C'est par là. Alors maintenant, on va essayer de remonter là-bas. Hop. La force, c'est en bas. Je vais même passer par là. Faut dire qu'on a la maîtrise. C'est vachement haut quand même. Normalement, il reste plus qu'un secret.
autant dire que le secret, je pense savoir où est-ce qu'il est. Savoir par là. Alors, maîtrise du secret. Et donc en combinant nos forces, ok. Et j'ai compris. Ah le nul. Putain, pourquoi j'ai pas compris ce gameplay avant? T'es pas loin. Allez Jedi. Ah putain, mais c'est nul. Allez, monte. Allez, la force. Un petit coup de sabre laser, voilà. Hop. Hop, on range tout ça. On est le plus fort du monde. Easy. C'était à Cordova. Ils craignaient une guerre sans fin. Ils pensaient que les Jedi commettaient une erreur et que ce qu'ils faisaient était plus important. Ah oui, carrément quoi. Je suis un génie. Je l'avais vu, hein. J'en étais sûr. Je sais pas pourquoi. Mais non! Allez Jedi! On a un monstre à aller tuer. Oh, j'ai trop enchaîné, trop aller vite. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ensuite, il avait la corne, on va essayer d'y aller. Voilà. Je sais pas où ça me mène, mais ça m'y mène en tout cas. Je sais pas où en fait. Ah, tu vois une autre corde là-bas? C'est un bug ça. Ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Par contre, ça va être très chiant en fait. Encore, tu vois, j'aurais préféré mourir des milliers de fois que de faire ça. Okay.
matin pourtant. Ah non, un secret pas trouvé. De non découvert. Donc c'est bien lui là-haut. Ah, je crois avoir compris comment faire. Ouh, c'était juste. Ensuite. Voilà. Allez mon grand. Voilà. J'ai pris trop bas. Poser mon clavier, moi, faire ça. Ah, on aurait pu en plus passer par l'autre côté. Ouais, mais moi, je suis un Jedi ou pas? Voilà. Allez, on y va. Exploré, autant dire que bah, il est quasiment exploré. Mais ce qui me chagrine dans toute cette histoire, c'est comment on fait pour... Ouh. Ah, ça c'était juste pour remonter. Okay. Coco. Alors non. Personne à tuer ici? Non. On peut pas aller le voir là, le... Il était juste pour l'esthétisme. Oh la déception! Non, on peut pas. Ça me paraît assez étonnant cette histoire. J'essaye des trucs. Hein. Non, plus clairement pas. Pourtant, j'y étais. Hein. Donc, on ne peut pas grimper sur ce truc-là. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas aller voir. Bon, hélas. Là, nous pouvons dire que nous avons clean. Ah,
la zone. Il y a juste 2% apparemment que j'ai pas vu. Oui, mais je te vois. Hein. Venir. Mais il y a eu encore. Sexy lui. Ah, t'as pas aimé hein. Si on peut pas dépenser les deux petits points là qui nous restent, et puis on va s'arrêter là. Au moins on peut dire que Bogano est quasiment clean hein, malgré ces deux pauvres petits pourcents là. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Est-ce qu'on peut récupérer un peu de... Ouais, on peut faire ça. Traction implacable, ça ramène tout le monde. Esquive avec précision. Chaque esquive de précision cale ralentit brièvement les ennemis et récupère une petite quantité de force. C'est pas mal ça aussi. Steam, Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de santé. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, maîtrise du sabre laser, augmente les dégâts du sabre laser. C'est toujours agréable. Mais moi, je suis pas comme ça. Deux points, consomme de force. Une attaque aérienne qui permet à Cal de repousser ses ennemis proches lorsqu'il atterrit. Moi, je reste quand même pas mal là-dessus. Ou là-dessus. Les esquives. Parce que mine de rien... Bah mine de rien, c'est ce qui fait tout quoi dans le jeu. La life ou l'esquive. Mais moi je suis pas comme ça. Alors ouais. C'est pas évident de faire maintenir ça et après ça. Comment on fait? Je vais voir comment ça marche. Est-ce qu'il y a un endroit? Ouais, je sais où est-ce qu'il y a un endroit, on peut essayer ça. Ah, c'est ça. Ok, et eh ben on va l'essayer tout de suite. Ah ça jette. C'est nul aussi. Je sais plus comment on fait. Putain, je sais plus comment on fait cette compétence. Apprends-moi, Kai. Apprends-moi. Lancer de sabre laser, oui, ça, s'il n'y a pas de souci. Moi, c'est le. Oui, frappe, attaque chargée, charge améliorée. Escroque retardé, combo retardé, non, mais non. Ah, c'est celui-là. Bah, c'est F plus F. FF. D'accord. Clairement pas ce que je voulais, mais... C'est beau ça. En même temps, on va voir ce que ça va donner. Ça pour ça. Ah tiens, j'ai envie de voir. Non, rien.
fait juste ça. Aucun coup sur. Comment on fait pour revenir bah là-bas en fait, à mon vaisseau. Là, tout bêtement. Hop, hop. Est-ce qu'on peut dire qu'on a clean Bogano? Première vue, oui. 16, 6, 90% exploré. Plateforme d'atterrissage, 75% exploré. La plateforme d'atterrissage, 75% exploré. Je te fous de ma gueule. J'ai oublié quelque chose en dessous. Je vais juste pas rentrer là en fait. On est d'accord qu'on a tout pris ici. Explique-moi. À explorer, bah voilà. Explorer, tout explorer, c'est bien ça, il fallait rentrer dans le truc, les 2% de merde, c'était la petite cabine. Bon bah là, Bogano quoi. Des saisies. Hop. Messieurs, nous pouvons quitter Bogano sans aucun regret. J'ai une petite plante pour vous. Sigren, c'est assez grise. Oh oui, c'est bon. Parfaitement convenable. Solidement moyen. Ça passe au poil, enfin presque. Ok, j'ai compris. Je vais voir si je peux en trouver d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde-moi ce terrarium de ouf. Et on va finir sur la personnalisation du sabre laser. Petite sauvegarde là. Petit repos. Alors, notre sabre laser, bah, est toujours bleu, hein. Là, il nous reste plus que 3 coffres, hein. Alors. Attendant, pour moi, le mur restait encore et toujours. Il y a celui-là qui a un petit peu de gueule. Ah, attendez, je reviens. Ou chromium, on va voir ce que ça va donner. Chromium, il y a un petit côté reflet. Je crois que t'es le Jedi qui a le plus personnalisé ton sabre. Dans toute l'histoire de la galaxie, je pense que tu es le Jedi le plus pimpé. Alors maintenant, j'aimerais bien faire un tour. Prêt à partir ? Soyons honnêtes. Sur Datomir. Mais je me dis que c'est la fin d'Atomir. Qui a l'objectif final. Est-ce qu'on n'irait pas sur Zepho pour finir un petit peu ce qu'on avait commencé sur Zepho, à savoir essayer de choper les coffres et tout. Vous les Jedi, vous allez toujours au devant des problèmes. Et après, il ne restera plus que d'Atomir. C'est notre mission qui veut ça, Capitaine. Tu connaissais les risques quand tu as accepté de me suivre. Je sais que cet holo machin et la reconstruction de l'ordre Jedi, c'est crucial. Mais tu crois que tu arriveras à faire bouger les choses? C'est ce que nous pensons, oui. Nous pouvons mettre un terme à l'oppression de l'Empire. En fait, j'ai jamais croisé de Jedi. Ils étaient toujours occupés et nous, les latéros, bah, on se débrouillait tout seuls. Ils nous ont jamais aidés. Tu m'en vois navré. Personne n'est parfait. Eh ouais, la vie, c'est comme ça. C'était la phrase de mon arrière-grand-mère. On y va ? On est arrivé. Attache-toi. Allez, au cœur de la tempête. Alors, dis-moi.
Que n'ai-je pas visité là-bas ?